Bonjour et bienvenue, on est reparti dans notre aventure apocalyptique. Et on va combattre une chasseuse deux fois. Deux fois d'affilée. Aïe aïe aïe, c'est parti. Alors hop, on est là. Elle est là. Bon ben, au boulot. Au boulot. Ça va les dégâts. Ok, donc ça fait super mal. Ça peut one shot apparemment. Donc faut absolument que je l'évite, sinon je vais avoir des problèmes. C'est bon à savoir. On a toujours un anneau d'ex de. Un anneau de. D'expérience. Corps qui se ramène. Ouais. Les armes. Joli combat. Très joli combat, mais c'est pas fini.
pas comment elle m'a one shot la première fois. Ah, peut-être pas full vie, j'en sais rien, c'est un peu étrange. Alors, équiper. Et donc maintenant, ça c'est le deuxième combat. Enfin, techniquement, on n'a pas besoin de le faire, mais. C'est de l'argent, tout ça. Ah, des fois, t'as des combats comme ça, hein, c'est vite fait. Hein. C'est vite réglé. Ah mais attends, pas dans la version rêve. Ah merde, t'as qu'une seule chance de la tuer. Bah apparemment on n'aurait qu'une seule chance de la tuer. Bah tiens, je viens d'en apprendre une. Ah putain, c'est con ça. Ouais, j'ai eu de la chance de la faire la première fois quoi. Ouais, parce que là ça c'est le monde normal ça. Et on est directement revenu ici. Peut-être qu'il fallait se reposer. On avait un cristal ou pas? Bon bah je suis désolé mais voilà, ça se finit. C'est fini. Pas de deuxième combat. Enfin. Pas de. Pas de win. Parce que le gibier il avait un shotgun gros. Je suis un peu dégoûté quand même, hein. J'aurais bien voulu la combattre. Après la récompense c'est pas top. Hein. Voilà quoi. Quoique, si on peut en fait. Hello. C'est un peu deg. Un peu deg. Que ça m'a tué un peu bêtement, enchaînement, hop, boum. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici?
Les grands égouts. Oula, ça me dit rien ça. Il y a souvent des choses qui me disent rien en fait. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne chose de dire ça. Vite. Après, je sais pas ce qu'on pourrait faire avec notre ingénieur. Il y en a beaucoup qui disent ingénieur invocateur. Ce genre, j'essaye de réfléchir à une de mes genre à mes classes préférées, on va dire. Parce que j'aime beaucoup ingénieur au final. J'aime beaucoup la... Oh. J'aime beaucoup la tourelle. Si j'allais vite. Fait tomber l'eau. Ouais, nickel. Mais ouais, ingénieur, ça serait donc un. Qu'est-ce que je pourrais faire après? Invocateur, je suis pas très fan. On va dire que ouais. En fait, le truc c'est que si on prend des habilités comme ça passifs. Qu'on peut pas activer parce que la tourelle, bon, oui, il y a la limite de la tourelle de temps en temps, mais en gros, ce qu'on veut, c'est qu'elle reste par terre. Quoi, en fait. Et invocateur, bon, bah, tant que t'as ta créature. Ceux qui n'ont pas un invocateur niveau 10, je conseille de tester. Hein. Vous avez la grosse créature là, elle est vraiment tanky et tout, elle est pas mal. Hein. Oh la vache, je suis sûr que c'est augmenté par nos dégâts. Donc ouais, je... Ingénieur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Wow. Oh. Alchimie solo, c'est pas top. Enfin, alchimie avec un avec ingénieur, ça aurait pas trop de sens. Ah, ingénieur avec. Chasseur. Peut-être. Parce que du coup on marque les cibles. On marque les cibles avec le chasseur. Et je crois que toute l'équipe genre fait plus mal, donc en gros on fait encore plus mal avec la tourelle. Qui est
qui est pas mal. Parce que, bon, la toile, c'est comme s'il y avait un deuxième joueur quoi, qui fait extrêmement mal, par exemple. Fou là en fait. Ça me dit rien du tout cet endroit. J'ai mis quoi en... Ouais les munitions oh, Max, ok. C'est fini. Boss. Ah. Ingénieur chasseur, je crois que ça pourrait être un beau combo. Puis en plus chasseur, ça permet de rester un peu en arrière. Enfin, ingénieur, c'est rester un peu en arrière, genre la tourelle, on la met devant surtout. Et chasseur, c'est un peu pareil dans un sens, je sais pas. Bon, je sais pas ce que. Putain, c'est quoi cette map? Ok, let's go. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, ça fait des munitions. Quand ma tourelle est pleine, ça fait des munitions supplémentaires. C'est vachement sympa ça aussi. C'est super bien pensé les compétences d'ingénieur. Ultra bien pensé. C'est quoi ce machin? Je connais pas du tout ça par contre. Oula, c'est quoi ça? Ah non! Wow, ok. C'est quoi ça? Pourquoi la tourelle elle tire derrière? Oh mon dieu! Ok, faut pas aller dans l'eau. Oh putain, je peux pas bouger. Super. Non, 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 non! C'est ça qui va me tuer, je pense, dans le combat. Voilà, merci, hein. Attends, on combat quoi là? On combat la créature ou on combat ça? Oh, moi je bordel. Oh la vache! Okay. Ok, c'est lui. Pas faire de saignement. Oh, ça va être le gros tir. Ok, quand ça fait ding. Yeah, nickel, nickel, nickel. Thank you.
3 heures. C'est où l'échelle? Ça tire. Merde. Tour à Fenawak. Cool. Ça va, on y arrive. Parce que voilà quoi. Faire gaffe, j'ai que 5 reliques.
chasser le gros rayon. Ok, pas mal, on a eu des dégâts. Ok, saignement, bien. Ça c'était ma tourelle, merci. C'est bon. Il était temps que ça s'arrête. Pas mal. Très cool comme combat. Très très cool. Très j'ai très très place. Cool. Assez intéressant. Ouais non, non, j'ai bien aimé. Bon bah, la tourelle inutile. Hein. La tourelle elle est plus là à faire... 10 de secondes de cible quoi tu vois en fait. Après peut-être que mitraillette peut-être aurait été mieux. Ou la troisième mais bon je l'ai pas encore, donc j'en sais rien. Ça va, on a résisté, il nous reste encore 3 reliques et tout, ça va, c'est cool. Je suis content. Je suis très content, c'est bien passé. Puis en plus c'est nouveau pour moi. Ah du coup nous on est de retour ici. On l'a fait cet endroit ou pas? Parce que je sais qu'on a une porte encore où il y avait la chasseresse là. Long. Il nous faut celle du milieu. Nous. Bon, là c'est mort. Ah, là il nous la montre. Allez, c'est bon, maintenant on la quitte plus des yeux. Je me suis loupé. Pas grave. Oh putain, il faut recommencer, je crois, du coup. Ouais, non, il faut recommencer. Ah tiens, attends, il y a une carte démon. Genre celle-là, là. Je vais essayer de prendre celle-là. Version facile en plus. Merde, c'était celle-là ou celle-là? J'ai pas vraiment vu. Je crois que c'est celle-là. Tu vois? Ouais, non, c'est pareil. Tu vois? Bon. Je pensais qu'il y avait un truc spécial. Apparemment, non. Ah, si, si, si! Oh, what the fuck? Le garde froid. Wow, il me fait téléporter.
Fuck. Ils sont trop bien faites les téléportations dans le jeu, en combat. Une relique. L'habilité pour me soigner. Putain de toi, non. Non. Je te déteste. Ah, la vache. Ok, nique-toi, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ah non, quelle... quelle merde. Ah putain, il faut refaire ça. On va crever là. Celui-là. Je crois que c'est celle du centre. Gavant, gavant. Ouais. Plus de jamor une fois, cool. Téléporte pas dans le feu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, il est mort. Oh, on lui a fait super mal par contre. On allait super vite.
Allez. Ouh, parfait, plus 4, plus 2. Ok. Bon, nous a sauvé la vie encore une fois le, l'anneau là. Ouais, c'est bon. Et c'est la première fois, ou alors j'ai peut-être pas fait attention, mais je dirais que c'est la première fois que... je vois cette carte là en fait. Ah, j'aime pas quand elle tourne, c'est une horreur quand elle tourne. Ah, mais je crois qu'il est sympa cette fois parce qu'on s'est loupé plusieurs fois, non? Ouais. Bon, Je devrais probablement réexaminer cette fresque. Je me demande s'il y a quelque chose à faire maintenant. Je crois pas. On aille vérifier ce qu'on a récupéré aussi du boss là. Oh, attends, parce que là. Ah oui, là je suis dans la version ténèbres, pas les maléfiques. Okay. Donc il faudrait sortir. J'ai l'impression qu'il manque un morceau. Ok, donc là on est en palais maléfique. On va aller combattre le boss. Enfin, combattre le boss, j'en sais rien. J'imagine. Je regarde juste s'il n'y a pas de coffre. Ça devrait pas arriver. D'abord le cristal, puis Ford. Je ferais mieux de me dépêcher si je veux retrouver Clémentine. Je crois que là-bas il y a une sorte de déclencheur pour l'histoire. Et ça y est, toujours dans le mode aventure. Ça devrait pas. Ok. Donc moi j'avais fait la lumière en premier. Et je l'avais combattu. Maintenant nous on va faire le ténèbre en premier. On va le combattre. Allez. Donc en théorie ça devrait être des combats pas simples quoi. On va changer d'anneau. On met pas... Je sais pas quoi mettre comme autre anneau en fait. Autre chose que ça là, que le chat. Parce que le chat c'est vrai que ça aide énormément quoi. Je vois pas ce qui pourrait être bien. Prenez garde, ah. Créature, car vous êtes en présence de Faerin, le tout-puissant. Nous sommes le régicide du vrai roi, conquérant de tout ce que nous voyons. Tous doivent trembler et tressaillir en ma présence. Mais vous, quelle pathétique et étrange petite créature vous êtes. Je crains que vous ne vous soyez aventuré au mauvais endroit, souriceau. Toutefois, la curiosité retient mon point. Ça marche, let's go. Voilà qui est intéressant. Venez, Vermine. Découvrez ce qu'être tout puissant signifie. Ah, ça risque d'être chaud, hein.
c'est un trou épais. Oh la vache, oh la vache. C'est super mal. Y a des trucs qui me tapent sur les côtés, je sais pas ce que c'est. Ça qui me tape. Ok, c'est pas mal. On va recharger les trucs. T'as pas de changement d'étape? Ok, c'est bon, ouais. Comme l'autre. Tout pété, mec. T'es en train de me bouffer mes FPS aussi. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Comment ça, trop lent? Oh ma vie, oh ma vie. Charge. Ok, bien. Bon là. Ok, go 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 go. Faut se concentrer sur lui, pas sur les boules, on s'en fout. Okay. Très bien. Même ça lui fait aucun dégât. Ma tornade te poursuit, mec. Con, hein.
Très bien. Faire ça, voilà, très bien. Enfin, on l'a. Non, il est immunisé encore quand il fait ça. Faire ça. Allez, bouffe-la, la relique. Bien joué, la tortue, j'allais dire. Non, bien joué, la tourelle. Let's go. Orbe d'oubli. Poignée fondue. Ça marche. Ah bah honnêtement du premier coup hein. L'autre c'était pas du premier coup et c'était pas en apocalypse. Donc on peut dire que notre build fonctionne bien. Je suis pas mort en plus. Ah si je suis mort. Ouais non si on m'a, il m'a tué une fois en fait. Je sais pas exactement quand il m'a tué, mais... Peut-être à la fin... Je sais pas quand il m'a tué. Quand est-ce qu'il m'a tué, ce coup? Bah, c'est récent, hein, parce que normalement, c'est 2 minutes de recharge. Donc c'est vraiment vers la fin. Ah merde, mais là, on prend la... Prends la pierre. On peut aller voir le maintenant celui de lumière, voir un peu ce que ça fait. Il y a aussi la grande dame en bleu là. On peut aller voir. Donc ouais, sans l'anneau, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de cet anneau? Faudrait un truc qui peut-être qui me mette des boucliers plus souvent. Après le 25% de défense, là quand je suis bas en vie, je crois que ça sert à rien. Faudrait que je sois tout le temps en fait à 25% de vie à la limite. Vous savez l'anneau vert là que j'utilisais à un moment. Enfin non, quand on est à 30% de vie je crois. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Quelque chose pour, je sais pas, résister aux éléments, ça sert à rien. Un gros régène, quelque chose, je sais pas. Bienvenue, mort. Je suis le et vous. Tenez, vous pouvez partir désormais avec la certitude d'avoir satisfait le seigneur de tous les faits. J'ai un royaume entier à diriger, être mortel. Je vous en prie, ne m'importunez pas. Ça marche. Bah, il fait pareil, l'autre. Hein. Si on tue la lumière, l'autre fait pareil. Les dégâts au corps à corps génèrent 10% de puissance de mode supplémentaire. Très très intéressant. Matériaux de fabrication. Allez, on va... Oups, on va rentrer. On va rentrer, on va voir. Bah ça s'est super bien passé. Hein. Tout s'est super bien passé, c'est cool. Formidable. Ah tiens, on va aller voir l'arbre. Ça vous rappelez je crois qu'il y a 2 épisodes, on avait planté un arbre. Ah ça y est, il pousse. Il commence à pousser. Et en théorie, on pourra prendre des fruits consommables. Je crois que c'est des concoctions. Allez, dis-moi que ça va être des trucs bien. Non. Oh, putain de ta mère. Bon voilà. Merci. Voyons ça. Alors, le fendeur de Dieu, arme de corps à corps. Les attaques chargées corrompent le sang des cibles, transformant toutes les frappes du fendeur de Dieu en coups de poing faibles pendant 2 secondes. La lame parfaitement équilibrée produit de l'expertise métallurgique des faets. D'accord. Et après, courbure voltaïque. Lance une orbe lente qui libère une impulsion toutes les 0,5 secondes, frappant les ennemis dans un rayon de 3 mètres. Chaque impulsion inflige 20 dégâts de foudre, applique des effets de surcharge. L'orbe peut être surchargée en lui infligeant des dégâts supplémentaires.
pas trop Allez, compris. Allez, rideau. À la limite, on pourrait quoi augmenter la taille de l'orbe 3 mètres, on peut l'augmenter. Alors on va tester. Hein. Alors l'épée, elle a l'air jolie. J'aime bien l'épée. Donc quand on charge les coups, ça fait... on attaque sur les points faibles. Ok, ça marche. Ah oui, on a eu ça. Augmente les dégâts au corps à corps de 5% pour chaque malus unique affectant la cible. Les attaques chargées au corps à corps infligent ralentissement. Bon, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Salut. Bien. Bien. Au revoir. D'accord, super. Bon, on va tester l'arme vite fait. J'ai envie de tester la boule d'énergie là. Ah, peut-être qu'on peut la tester au stand de tir. Voir comment elle réagit au moins. Après c'est de la foudre, moi je suis pas trop foudre. Allez, je suis rechargé là. Elle est un peu lente en fait, c'est pas trop mon truc quoi. Après elle reste 20 secondes. Ah mais la tempête elle reste pas 20 secondes aussi. Elle dure 15 secondes. Je sais pas, faudrait trouver quelque chose qui augmente les dégâts de foudre à la limite. Ou alors la durée des mods. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire pour augmenter les dégâts de ça. Je sais qu'on a des amulettes. Je crois qu'on a 30% en électrique. Ça c'est feu. Non, ça c'est les explosions, c'est pas pareil. Je sais qu'on a feu, foudre, mais c'est des amulettes, c'est pas des anneaux du coup. Bouclier actif. Ça fait quoi qu'on a un bouclier actif ? Qu'elle nous dit pas ça. Ça c'est le feu, ouais c'est 20% et après les... Ouais donc on a ça pour les scies. Je crois qu'on a pareil. Ouais, genre c'est 20% et 50%. Je crois qu'on a pareil pour la foudre, mais... Ah oui, c'est celui-là, voilà. Dégâts de foudre 20%. Oui, je suis d'accord que c'est pas mal. Bon, nous, on a déjà 20% là. Bah, on verra. Bon, on va s'arrêter là. Bah, c'était une bonne chose. On va tester la boule la prochaine fois. On va la tester, parce que pourquoi pas. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. On a une nouvelle épée. On va la garder honnêtement. Ouais, on va la prendre. Elle a fait voir les dégâts. Ouais, ils sont vachement bas par contre. J'avoue que les dégâts sont ultra bas.
Elle a zéro déstabilisation. Je vais être honnête, l'épée a l'air super cool, elle est stylée et tout ça, mais le problème c'est qu'il va falloir l'augmenter au moins à plus 9 si on veut vraiment que ça soit potable en dégâts. Donc honnêtement, autant garder le bâton quoi. Autant garder le bâton. Bon, moi je vais voir ce que je peux faire avec un anneau, genre essayer d'augmenter des... je sais pas, on va voir. En tout cas, ouais, ce sera la fin de cet épisode. C'était cool, on continuera donc la prochaine fois le somme, c'est ça? Le somme, yes. Donc on a ça. Ok, donc on a deux endroits. On a fait deux événements que j'avais pas fait, donc faudra aussi aller voir l'oracle si on a tout fait. Je crois qu'il en manque encore. Mais ouais. Ah, il y en a un là aussi. Ça, c'est l'endroit qu'on avait vu pour... ouais, c'est ça. Avec la chasseresse. On avait vu une porte. Donc ouais, la prochaine fois, on fera tout le reste. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.